Le conflit est important parce que là où les gens vivent, donc là où les gens sont ensemble, s'il y a des conflits, donc tout ça ne va pas, ça ne va pas marcher. Même au niveau du foyer, même au niveau de la famille, si les parents ont deux enfants ou cinq enfants, si ça ne va pas, les enfants chaque jour se battent, il y a des conflits, il y a d'autres qui se voient supérieurs, il y a d'autres qui se sentent gros dos, il y a d'autres qui... Donc là, les parents doivent faire cet effort pour chercher comment à éliminer celui qui a cherché. Il doit chercher comment les deux enfants doivent cohabiter dans une bonne manière. Les parents ne doivent pas rester comme ça sans faire un travail qui amène à ce que les enfants soient de même niveau. Si vous pouvez avoir des compétences, d'atteindre un large public de décideurs, que ce soit au niveau de l'RDC, que ce soit au niveau international, c'est de leur dire que nous sommes des êtres humains, bien qu'ils peuvent croire que nous sommes des peuples péjoratifs, mais Dieu n'a jamais créé un peuple péjoratif. Nous avons besoin de la paix, et cette paix ne peut être possible que si nous sommes considérés, nos droits sont reconnus et sont respectés. La thématique prioritaire pour moi, comme vous demandez une, je peux citer l'accès à la terre, même s'il y a beaucoup de thématiques. Vous demandez seulement une, là je cite l'accès à la terre. Pourquoi? La terre, c'est la mer nourrissante. La terre, c'est là où les peuples autochtones dépendent de la forêt chaque jour. La nourriture, tout ce qu'ils font, la pharmacopée, les savoirs endogènes, c'est en forêt et c'est la terre, c'est là où on vit. Donc s'il n'y a pas la terre, il n'y a pas la forêt. Donc les modes de vie des peuples autochtones deviennent très difficiles. C'est pourquoi j'ai placé l'accès à la terre, c'est une thématique qui est aussi très importante par rapport à la question autochtone. La matière la plus urgente pour les peuples autochtones en RDC, d'abord si on voit les complexités des droits de l'homme qui sont interdépendants, qui sont complémentaires et qui sont liés les uns aux autres, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais, y égard aux défis actuels, je pense que la question de la stabilité et de l'identité culturelle des peuples autochtones serait mise au premier plan pour que cette communauté se sente que réellement il y a quelque chose de considération. Les Pygmées sont des êtres humains comme nous, ils ont les sangs rouges, et rien que sur ça, je crois qu'ils ont leur place à la table des négociations, afin qu'on construise ensemble. Par rapport à la communauté internationale, je pense que ce que je vois, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup et ils s'impliquent à la question autochtone pour lutter sur la problématique autochtone. Ils s'impliquent beaucoup et ils s'intéressent, ils appuient tous ces cas de violations qui se passent dans les différents pays par rapport à la question autochtone. Le bénéfice de la lutte ira au-delà même de la question autochtone. Et je crois que ces bénéfices, d'un côté, permettront à ces pays de se réveiller comme un éléphant, comme un géant. Mais aussi, ça sera un pays où il faut beau vivre. Ou un pays où l'amour peut transcender. Un pays où les gens seront prêts à marcher la main dans la main. Véritablement un pays des droits, un pays d'amour.